chef police là, monsieur, franchement, ça fait la peine pour moi de faire. Maintenant, des chefs police là, mon cher, la police là, nous faisons carrément un problème, regardez, mes chers amis. Exemple clair. Vendredi, chef police a annoncé opération tornade. Non, mais sérieux, que c'est l'armée. Ou bien, on a une force légale qui dit qu'on s'accueille à faire tel bagaille. Pendant l'annonce, c'est là la fête. Moi, je peux, non? Si les États-Unis disent nous allons attaquer tel pays, la Konya, là, moi, je peux, nous donnons un peu de l'air, oui. Missile, on va. Mes impressions, tornade là, monsieur LB annoncé à notre tête des MLD. Moi, je parle avec des policiers au niveau de l'unité d'élite de la PNA SWAT team. Qui demande si M. LB, pendant M. LB répond aux questions pour le dire comme ça que, non, moi, on a fait conférence, il y a une opération qui est en cours pour récupérer le corps policier, ça vient. Mais moi, il est sous soin dans la police là. Sous ça, dit que ça y est, blague LB, mon cher. Et c'est tellement vrai, parce que je ne suis pas coué dans la parole, chef police là, c'est tellement vrai, 24 heures après, vide l'homme, bonne raison pour me battre, oui. Vider l'homme prend tout matériel, il y a toute quiétude, là le crason sous commissariat. Mais ça, c'est pour mouton le peser, non? C'est pas un mouchoir là aller ou bien un petit bâton là aller, une baguette magique, non, crasé. Il prend toutes les ressources humaines, les ressources matérielles, là le crasé au commissariat. Moins de 24 heures après, chef police a fini annoncer pour opération tornade pour marcher pour un bandit. Et attention! Entre les lignes, vite l'homme de guette annoncé ça, peut-être nous ne connaissons pas le commissariat. À qui policier le d'abord fait le tour? Tout policier dans la rébellion, même dans la rue, on parle pas tout presque. On a l'annoncé opération. À qui policier le d'abord fait? À qui policier? Vite l'homme montré, chef France LB, désolé, moi-même, j'ai plus le respect pour vous. Je vous dis ça déjà pour effort. Mais monsieur vite l'homme innocent fait montrer pour pas rien. Rien. Baron est quand il joue un pouvoir ça, quand il joue une force ça. Baron est effectivement ça le dit, s'il y a des bras politiques qui d'aide bonne année. Mais monsieur prouve que c'est le chef là, et pas LB. Et c'est tellement vrai, je dis à là, je demande LB, est-ce qu'effectivement l'opération a été annoncée qui t'a fait vendredi, l'idée est un résultat puisqu'il était visé récupérer quoi policier. Allez, jusqu'à présent, même pas là des mondes. Il y a tant de corps policiers, il y a tant de corps petits qui ont réuni en dernier hommage. Ça va en fait. Donc, LB, permettez-moi de dire ça, amis, il y a un problème de leadership grave dans la police. À tout niveau. Et je ne vais pas mentir, je suis conscient de ça. Je vais partager ça qui est écrit avec Zamio avant. Quand Zami dit comme ça. C'est opération tornade là pour éviter l'homme. C'est elle met votre parole là. Elle met votre parole là. Ok. Bon, moi, partage à Mounio rapport sur ce qui est passé. Zami auditeur, je vais demander nos oreilles nous. Parce que les balles arrivent à jouer moi-même pendant le week-end. Je me saisis. Je me dis, ça n'a pas un rapport de la direction départementale de l'Artibo d'État à travers le service départemental de l'enseignement. Un, je me garde un rapport à écrire. Moi, c'est au conditionnel. Je dis que ça a quelqu'un qui a fait sensation pour le journaliste qui a écrit qui va disposer de formations fiables. Là, on voit le moment où on a expliqué que oui, c'est effectivement un document qui soutient par coup de plume M. Damio dans le service départemental de renseignement. Qui ça le dit, amis auditeurs? Bonnes oreilles, là, s'il vous plaît. Service départemental de renseignement, soumettre by direction départementale de la Tibonite. Premier élément, enquête spéciale ça sous l'un mois 7 policiers n'a pas rappelé le monsieur LB t'a parlé vendredi à l'heure il était 6 pardon il était 6 donc service et renseignement dit monsieur LB attention c'est 7 qui tombait dans attaque surprise ça contre policier Lian Kouyo 25 janvier 2023 service là qu'a parlé oui s'il vous plaît attaque ça t'est planifié Port-au-Prince. Il y a trois hauts gradés dans le PNH là qui concernaient la planification attaque ça, amis auditeurs, selon ça m'appelait là. Parmi trois hauts gradés, il y a deux inspecteurs généraux
ak yon commissaire divisionnaire. Moun ki parti prenante nan kad planification atak sa, gen 3 au grade, jan sou di la nan PNH la, gen 4 gang parmi yo 3 nan Atibonit, yon nan l'Ouest ak yon organisation politique. Je suppose ça dans l'Ouest avec Canada. Qui objectif principal attaque ça? Ça est premier élément enquête, service renseignement au niveau département de la Tibonite là. C'est provoquer un chaos dans le département de la Tibonite là, qui t'a pris le débouché sous acte assassinat commandant arrondissement Saint-Marc là, acte DDA et ses policiers qui t'a tué. Objectif spécifique document ça. Pas document non, attaque ça pardon. C'est attaquer un commissariat qui est loin, 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 mais qui est accessible pour capable bailler moun qui te doit pour te renfort, responsable ou bien pour capable mettre foot là sous deux si jamais on pas arriver à temps. Deuxième objectif spécifique, c'était assassiner quelques policiers pour capable provoquer ça ou l'effet Petionville là coup de commandant local là. Alors effet Petionville là nous songer en vendredi qui était précédé de bailler courant. T'es gagné pratiquement 4 policiers qui t'es tombé, 3 mourir ont disparu dans Petionville. Libérer tout prisonnier sous couvert évasion. Pas rappeler nous, on 20 prisonniers qui mourir dans la prison civile de Gonaïve là. Ils ont violé plusieurs tifis, avec femmes, n'a pas vu ça avec Julie Venjul. Soulever policiers contre tout commandement dans la juridiction de Tibonite là. Attaquer physiquement DDA, dans le moment pas la rôle là, directeur départemental, police n'a pas qu'à mettre point de pied de Gonaïve. Utiliser éléments réseaux sociaux pour orienter l'opinion vers sa ouelle une faute de commandement. Raison fondamentale attaque ça selon document qui embarque mes amis auditeurs. Mais vous avez un problème avec document, c'est parce que tout ça ouvre là c'est au conditionnel. BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, a produit un rapport favorable sous performance DDA pendant le deuxième semestre. Année 2022. Rapport ça, vous avez envoyé le premier ministre et vous avez eu une lenteur dans la transmission du dossier opérationnel et puis dans la baisse performance PNH dans l'opération dans la région métropolitaine depuis le transféré commissaire divisionnaire Jean-Bruce Mirtil dans la direction centrale police administrative là, dans la direction. Non, deux directions centrales de la police administrative là, à direction départementale nord-ouest. BINU, t'as considéré transfert ça comme un gaspillage de ressources. Dans le quatrième trimestre année 2022, devant ça, où est le compte performance PNH là, dans la région métropolitaine, si vous basez sur le rapport BINU, si SPN là t'es proposé ou bien t'as proposé, non commissaire divisionnaire Jean-Bruce Mirtil pour occuper fonction DCPA. Direction générale PNH là, t'a adroitement refusé pour obéir à l'Odzar et t'a proposé commissaire divisionnaire Jean-Bruce Mirtil comme directeur départemental de la Tibonite et Karl-Henri Boucher, qui lui-même sautille en cours comme DCPA. Faudrait le connaître pertinemment que Karl-Henri Boucher, il t'a pas refusé. Ça veut dire pas t'a voulu Karl-Henri. Dans le premier temps, CSPN a refusé deux propositions PNH. Là. Au commandement, tu as demandé finalement, ou bien tu es arrivé convaincre finalement CSPN, là, sous prétexte, il faut que tu te joignes au monde qui est capable pour gérer tout le mois de décembre là, et préparer le terrain là, pour Ariel Henry te faire discours le 1er janvier 2023. Et seul le monde qui pense que tu as une capacité ça, ou bien qui a une capacité ça, c'est seulement le commissaire divisionnaire Mitil, parmi tous les directeurs départementaux qui en fonction. Rapport qui a parlé, maman qui a parlé. Installation a été faite dans la soirée samedi 3 décembre 2022. Dimanche 4 décembre, il y a un inspecteur général qui a contacté un monde très influent en cours, qui a des liens avec base Grand Griffe Savien pour capable défier DDA qui a fait installer. Rapport enquête là qui a parlé. Le 5 décembre 2022, base Grand Griffe Savien prend contrôle pour son dé. Il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Qui ont réalisé devant commissariat, devant sous-commissariat. 6 décembre 2022, la police nationale reprend le contrôle espace territorial ZA et puis le placer policier dans le bâtiment, avec le policier là-dedans. 4 janvier 2023, direction départementale a inauguré sous-commissariat des armes. 8 janvier 2023, bon kidnapping que la police est déjoué dans les accours. 9
janvier 2023. Tu as un trouble à l'ordre public dans Liancourt. L'IDEA reçoit un appel pour toi, dans l'inspecteur général. 10 janvier 2023, il y a un kidnapping qui fait verrette pas trop loin de Liancourt. 11 janvier 2023, le 6 janvier 2023, avec deux dates, moi, dans le document, DDA rend personnellement dans le bureau directeur général là, pour le capable de faire le part. Attention, là, je me dis, vous voyez, les policiers vont mourir. Si donc, il pense à un vrai ami auditeur, il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Tant pour Bob, c'est-à-dire, pour chaque monde chercher Galilée. Non, ce n'est pas une blague, non. Ça m'a dit là, que m'authentifier là. Si ça a dit, c'est des bagages qui vérifient confirmer. Pour bail des réquisitions directement, réquisition personnel additionnel là, matériel avec équipement pour être capable de faire face à éventuelle attaque ça. DGA est automatiquement visé réquisition et puis transmettre les bail direction de la logistique DL pour suivi administratif. Dans tout équipement, DGA a parlé, il a demandé DGA, c'est seulement matériel qui est léger, c'est matériel de rien. Yo. Qui ont été bail. Mais matériel solide qui est capable d'aider les policiers au coup, mais face bandit, il n'y a pas de bail, si vous comprenez bien. Il y a un seul fusil d'assaut qui est arrivé à joindre DDA. Véhicule qui est doué occuper tronçon lié en quoi de verre là, pas de jamais arrivé à joindre DDA parce qu'il n'y a pas de joindre Cléa. Ça me dit de noter, ce n'est pas moi qui parle de son rapport. Direction logistique là t'est déclaré by DDA que t'es doué en environ 22 jours. Il t'a pas de police au film mourir. Puisque fabrication et programmation clé ça, son clé électronique, a fait en République Dominicaine. C'est une quoi document m'appli là, jusqu'à l'heure où sont ces documents, véhicule ça toujours dans la direction logistique là. 25 janvier 2023, une coalition entre gang ça vient, Palmis. Avec Liancourt, avec mercenaires qui sont des Canarans, qui attaquaient policiers sous commissariat Liancourt. Et puis, la cause, 6 personnes mourir dans un policier. Même inspecteur général, ça, relève le directeur départemental de police là, dans la Tibonite, pour parler des informations pendant l'opération a déroulé. Et dans toute information, ça, selon le rapport, pas de réunion qui justifié. Le 26 janvier 2023, prison civile là attaquée par des gangs de raboteaux. Le 26 janvier 2023 toujours. Il y a des policiers CEMAC qui attaquaient CPA. Je vous ai parlé de commissaire principal là, oui. Verbalement. Alors que il a tenté toute bagarre, il a fait tout ça capable pour le sauver la vie de troupes qui était en difficulté. Il était les renforts au Tigounaïve qui était arrivé à temps. Et commissaire municipal Gounaïve là, c'est joué une bénédiction DDA pour être capable de prendre commande opération pour être accompagné physiquement policier souterrain dans Liancourt. Le 27 janvier 2023, policier Saint-Mathieu a organisé une manifestation. Et manifestation, ça, selon le document appelé à Zami Auditeur, c'est au gradé dans Port-au-Prince qui initie et qui organise. Il était gagné comme point focal, commissaire divisionnaire Jacques Adair, selon ça le dit, qui a manipulé certains policiers. Jacques Adair, selon document, que au commandement promet pour le remplacer actuel DDA, là, qui est commissaire divisionnaire Myrtil, après événement. Yo. D'après ça, il a fait quoi? Ou bien il a fait certains policiers quoi? Dans ces matchs avec Gounaïve. Il y a deux policiers qui étaient cagoulés, qui tentaient d'attaquer physiquement le commissaire principal de ces matchs-là. Pendant que vous lancez le gaz lacrymogène en dedans commissariat, pendant que vous avez une réunion que vous avez organisée. Et la réunion s'est déroulée sous le leadership CPA, commissaire principal. Là. Assassinat DDA. Vous planifiez, vous avez planifié dans le Port-au-Prince. Et vous avez exécuté dans Gounaïve. Et c'est le policier même qui a fait l'exécution. Dans la prochaine manifestation, vous planifiez pour demain mardi à 31 janvier 2023 dans Gounaïve. Jusqu'à présent,
manifestation qui était quand même confidentielle. Commissaire divisionnaire Jacques Adair a déjà contacté plusieurs têtes de pont dans la ville Gonaïve pour réaliser manifestation ça que doit organiser demain si Dieu veut. Service départemental renseignement conclut comme ça pour recommander DDA pour informer instance ça on va citer là ou façon pour capable anticiper ça gain pour faire qui pour faire yo. Tant que direction générale PNH là, inspection générale PNH là, direction des renseignements généraux, la direction de la police judiciaire. Voilà, amis auditeurs, n'a pas fait exercice. Alors c'est en français notre l'a écrit, on a essayé de traduire et en même temps que m'a appelé là ou même de faire comprendre qu'ils avaient dit. Et m'a comprendre guerrier Dieu seul dit Alexandre Pierre Winel Winnie. Si ça qui dit dans document ça qui concernait premier élément enquête sur ça qui passé et il y a quoi moi j'aime pas bonne menti nous mais la vie mais nous fermer porte institution police là bail gang BIA parce que la police qui l'a comme seule force bon permettez-moi de dire ça là mais pas si opérationnel que ça mais que nous pas ignorer l'existence mais comme force active sur terrain hein, qui vous ta bataille contre le grand banditisme mais là qui ça la police tomber des hauts gradés qui boumer pour poste et c'est pas je dis à comme ça non chaque nègre qui est chapelle politique yo a chercher bénédiction yo soit pour venir DG soit pour venir DCPA soit pour venir dans la police pas chaque policier pas yo oui même n'a demandé pour force internationale venir pour venir nous coûte même mes amis même Jésus t'a fait miracle pour chrétiens yo si nous croyons Jean 6 verset 8 à 12 Jean 2 verset 7 pour arriver 8 là Jésus t'a fait miracle dans deux côté ça que ce soit l'un te prend 5 petits pains 2 petits poissons pour bailler 5000 monde manger mais au moins demande ça qui est là. Là Jésus te fait de l'eau, tout n'est divin dans nos canards. Au moins il te dit ça qu'il a eu de l'eau, il pleut de l'eau et puis il transforme. Mais pour dire si nous obtenons pour blanc vini, dans l'intervalle, nous pas fait pièce bagaille, nous pas entendre nous sous rien, nous pas décider faire preuve ni de volonté, ni de monde qui remet pays, qui soucieux de pays, et puis nous obtenons pour blanc vini pour le formulaire là. C'est fouet, n'a fouet, policier va mourir. Ou poste. Parce que mon guerre a fait au plus haut niveau de l'institution policière. Est-ce que vous avez deux services renseignement? Bon, la Tibonite a toujours un service par les côtés. Commissariat. Service renseignement général de la police par rapport à l'information ça qui, quand même, c'est un scandale et qui fragilise plus encore la police nationale qui est dans une situation difficile concernant le rapport ça. Nous confirmer l'authenticité, nous avons posé question. Pour qui ça? Et il y aura un rapport ça public. Merci Pierre. Ça qui dit dans le rapport. Si c'est la vérité, nous allons proposer une autre question qui intéresse nous qui cité. Et au vraiment pour créer chaos dans la Tibonite. Abouti sous assassinat, commissaire responsable, commissariat, responsable direction départementale la Tibonite. Là, en attendant, il y a une enquête fait lumière sur révélation. Rapport au service renseignement la Tibonite. Là, document ça a confirmé bataille pour leadership qui était toujours gagné dans la police. Ça, écoutez, c'est policiers qui ont payé pour casser. Hein? Donc, on a rappelé encore Village de Dieu et là, ça a été dit, c'est encore en dans institution en courant échoué et population les continue à payer pour casser. Ça fait plus passer de l'année depuis population à travers VIA, toujours pas cap vaquer à occupation yo, sans problème. Pour les apprendre à Tibonite, tout besoin, minimum 8 heures de temps en passant par. Balai, en tout cas, nous avons contacté le principal concerné, le commissaire divisionnaire Jean-Bruce Mitil, qui toutefois n'a pas souhaité réagir, mais n'a pas démenti le document capsicula. Et c'est dans ce sens ça, nous allons parler avec Lionel Lazare, porte-parole Sinapoa, qui tout au moins confirmé l'authenticité du document. Il y a un nouveau scandale et qui fragilisait plus encore la police. Là. Lionel Lazare, c'est coordonnateur général Sinapoa, il y a un syndicat dans la police. Là. Lazare, bonjour.
Bonjour Guerrier, bonjour Lydie, bonjour Pierre Venel, bonjour Johnny. M'a salué policiers qui a coûté nous à travers le pays. Nous connaissons que qui est un moment extrêmement difficile par rapport avec 6 policiers nous connaissons qui mourent et ça et Liancourt, 4 policiers qui mourent dans Pétionville. Ça va nous permettre que bon trou au niveau de la police là. Nous comprenons les policiers yo, et ça arrive là, il était prévisible parce que nous étions toujours qu'on dénonçait au niveau Sinaboa. Nous étions toujours qu'on dit que si pas il y a des dispositions qui prennent, soit bon côté état-major la police, ou bien bon côté gouvernement, par rapport avec policiers qui ont tombé par-ci par-là, bandits prennent encore, ils n'ont pas jamais fait opération pour récupérer les cadavres policiers, nous étions dit qu'ils étaient capables de bitris, et si pas il y a des décisions qui prennent, ils sont capables de plus grave demain matin. Et la police à tout, sont la police qui sont route pour t'accraser par rapport à ce qui a passé là. Et il faut que nous nous que si nous pouvons vérifier et authenticité et rapport ça, qui sont dans le service renseignement, direction départementale, la Tibonite là. Et ça fait que nous parlons sous lui. C'est pour raison ça, moi-même, m'appelé rapport à plusieurs fois et me prends maintenant tout. Pour me tendre de Johnny Ferdinand qui a parlé des rapports, qui a décortiqué les rapports pour permettre que nous comprenions. Je dis à là, il est clair que la bataille qui a mené pour le leadership, soit dans le département, soit dans la direction générale de la police, soit dans le commandement de la police, là, ou du moins sinon c'est le grand commissariat, sont ces deux risques pour le monde qui a fait ouais et plutôt voué policier mourir. Et ça qui a passé là, c'est ça nous, ouais, si nous comprenons le rapport ça. Je veux dire là, je me demande qui intérêt que les policiers taguent pour faire complot pour assassiner le monde. Et je veux chaque policier comprendre que je veux dire, il y a acquisé. Si nous suivons le rapport ça, il y a acquisé un ensemble de policiers qui ont un complot pour assassiner le directeur départemental et responsable au niveau commissariat et la Tibonite. Moi-même, le problème que j'ai eu avec le rapport, ça, c'est parce que je me sentais qu'il y a un manque d'élégance par rapport avec le rapport. On ne peut pas dire que c'est départemental. Si on a fait comme ça, qu'a fait, je pense qu'on a dû soumettre la direction générale de la police parce que c'est son rapport de renseignement que lié. C'est pour pas. C'est son rapport qui est destiné à responsable. C'est dans le transfert rapport. Les rendre public, mais je pense que peut-être question t'a qu'à poser, les dit d'où si ces renseignements ont fait, et vous pouvez dire, ça qui dit dans le rapport, même si c'est pas la suite où il y a information, mais au moins, si le service est efficace, effectif, dynamique, il y a déjà gagné quelques éléments qui peuvent dire dans le rapport après bien maintenant. Balvini là, et puisque directeur départemental là, je pense que nous avons une anomalie que nous découvrons dans le rapport ça. Et je dis à ma parole pour que les policiers comprennent. Premièrement, vendredi, la première note qui était sortie dans le service de communication, direction départementale, la Tibonite, que tout le monde était dit comme ça que c'est 6 bandits qui tombent, il y a 2 policiers qui sont blessés. 30 minutes après, nous avons démenti notre là, côté que 6 policiers qui mourent et bandits exposés cadavres. Deuxième bagaille, directeur des faits qu'on est que c'est monsieur qui a attaqué le commissariat Liancourt, même dans la direction départementale, il voulait renforcer Bayou. Troisième bagaille encore, moi, tant de directeurs ont parlé sur plusieurs stations radio, m'expliquer que, au contraire, il était même content parce que il était saisi, on cantait dans mes monsieur. Moi, je me pose peut-être une question, qui vole un service renseignement, soit dans l'institution ou bien en dans le pays? C'est peut-être chercher information, prévoir ce capable de faire pour faire des préventions, pour empêcher ce genre de bagages à arriver. Pour qui ça dit que ce département de la Tibonite, là, un service de renseignement qui est assez fiable comme ça, et qui est même plus fiable que la direction générale là, qui n'a pas tout près là, pas de temps de prévoir ça. Ça arrive, il y a des bagages après que vous venez connaître. Mais pour qui ça c'est après, 5 jours avant, pour qui ça que nous pas de temps qu'on est ça ou t'as pas arrivé, pour qui ça 5 jours après, il y a un rapport qui est sorti rapide comme ça, et qui est dit, mais qui est-ce qui est dans le complot, il y a 3
regardant dans la police là qui n'en complot, gen gang qui la donne, gen policier qui la donne, pour qui ça rapport ça sorti aussi vite comme ça. Et pour c'est pour la première fois moi-même 12 ans que me gen dans la police, mais ouais, yon rapport sorti comme ça rapide par rapport avec un bagage qui passé en dans la police là. Et donc moi-même, nous même au niveau Sinaboa, c'est pour raison ça je dis à nous demander faut que la justice tende, directeur départemental là, toute équipe li, faut que l'inspection générale prenne responsabilité pour tende, directeur départemental là, toute équipe li, parce que nous sentons que les policiers prennent un complot, vous voyez les policiers à mourir. Pour qui ça conserve le renseignement qui fait comme ça jusqu'à présent, service ça pour que les gens me disent qui côté cadavre policier, oui. Vous pensez que le service renseignement ça a tagué un temps de détecter qui côté cadavre policier, oui. En pile moun di chè ap manje kadav polisye yo, est-ce que service renseignement ça n'est pas fiable tout 5 jours après pour dire que mec qui côté kadav polisye yo pour opération mener. Moi je pense que ça c'est méchanceté lié. Jodi an paquet nèg dans chaîne commandement la police là a goumen pour poste, a goumen pour visibilité pour ouais que c'est eux même qui pi bon directeur départemental ou bien pi bon responsabilité, pi bon responsable ko commissariat. Pour diable, il y a voyé policier nous à la boucherie, il y a voyé au mourir, il y a quitté madame, il y a quitté petit yo. Et donc, moi, je pense que ça, policier, doit camper pour nous venir justice. Parce que ça n'a pas passé comme ça. L'un dit pour autant de directeurs départementaux, c'est parce que je me sens que il n'y a pas de bagaille que le cas dit la justice. Il n'y a pas de bagaille que le cas dit l'inspection générale. Par rapport avec rapport ça, qui sorti sous service de renseignement. Mes amis, pays a ta me konne qui d'inspecteur généraux sa yo, qui n'a complot. Comme li geta cité commissaire divisionnaire, tout moun geta konnen. Mais fok, service renseignement, direction départementale, la Tibonite la, ba explication pour dire que, ben, qui est inspecteur généraux sa yo, d'inspecteur généraux sa yo, qui implique dans sa passé dans lien quoi côté que gen 6 policiers qui mouri même cadavre yo yo pas ka joine. Oui, et moi qu'on gagne une réserve en tout cas sur quelques points dans le rapport là et en même temps vous montrez que une bataille pour poste pour leadership en dedans institution la police là. Donc est-ce que c'est pas même bataille ça qui fait que ça crive arriver? Bon, moi c'est ça me saute d'où. Actuellement là gagne une bataille pour diable ces policiers nous yo t'a payé pour casser à un plus haut niveau gain des batailles pour question leadership en dans la police là et moi sont deal qui donc rapport ça son rapport met institution tout uni n'ont pas de problème que ça qu'arrivé bon ensemble de bagages c'est après ça qui passé là yo vinn gain information sur yo mais d'accord avec ça mais jodi a la pour qui ça service renseignement ça pas dit qui côté ko 5 policiers yo est-ce que service renseignement ça tout teyen après l'embo 5 policiers yo pour qui ça pas une opération qui mené dans sa vient pour ça service renseignement pas mettel au diapason même j'en écrire rapport ça pour voyer à chercher ko policiers yo moi quoi que si pas grand rien qui fait dans la police là, si là pour ça, ça dit là dans la vérité, sont la police qui mérite écrasée plutôt refait. Et c'est pas Jean-Luc qui a écrasé. C'est commissaire divisionnaire, c'est ensemble inspecteur général, c'est eux-mêmes encore qui a écrasé la police là, parce que ils prennent agent comme bouclier pour des affaires, pour paraître visible, et puis tout y a voué agent à les griller. C'est une raison qui fait que nous disons policiers, il faut mettre tête sur ensemble pour comprendre que nous prenons un complot. Et complot par l'autre côté, qui ont cette idée de capture visibilité en dans la police là, qui a voulu mourir. Nous croyons que, je dis à la fois, directeur général de la police, à M. Franck Elbé, prend responsabilité. Il assume responsabilité par rapport à la police. Et ça peut passer n'importe qui, genre. Et si n'a pas
après tête mouvement prochainement qu'a gagné pour faire c'est pas une explication bail clair coup clair rose dans ça et nous parle faut police au jeune justice et faut inspection générale la justice dit un mot dans ça passé dans la Tibonite là parce que trois policiers mourir tout le monde était bois croisé jodi à la sous pas qu'est habillé qu'a fait un paquet de policiers qui mourir sans que on pas comme comment a mourir pendant ce temps sont ces des chefs qui voyou aller mourir beaucoup. Oui. Ouais, donc, on m'a dit pour le directeur général de police, là, prend responsabilité face à et rapport ça, alors que nous attendons à ce que l'invitation ou bien appel là, tu es capable d'aller dans le sens pour le directeur général de police, là, prend responsabilité de manière générale face à la situation. Ça, maintenant, ambiance ça, là, à côté, gagne toute bataille ça, dans l'institution pour leadership, je vous dis, est-ce que vous pensez. Directeur général là qui prend responsabilité, ou du moins, est-ce que ce n'est pas bataille ça qui fait que le directeur général là n'a pas capable de résultat? Bon, moi-même, je pense que les parler de directeur général pour prendre responsabilité, son bagage général qui est par rapport avec, avec ça qui a passé à là. On sait qu'il y a trop de dérives qui ont fait dans l'institution. Je dis à là, quatre policiers mourir, Pétionville. Nous ne pouvons pas connaître si il y a une enquête qui a même commencé. Faut que les responsabilités soient fixées pour nous connaître comment quatre policiers, Pétionville, fait mourir. Est-ce que le directeur départemental l'Ouest 1, parce que selon témoignage, policier Pétionville, dans le moment que les policiers ont demandé backup, le directeur départemental l'Ouest 1, c'est dans la cour commissariat. Qui ça le dit, c'est tout ça? Faut qu'il y ait une enquête qui mène. Je veux dire, faut que si tirance politique a fini dans l'institution, faut que nous suspendions qu'un bon série de monde en décision, malgré qu'il n'y ait pas de résultat, quand vous êtes policier à la bouffée, sous prétexte qu'il y a un bras politique d'elle. Faut que ça soit fini. Agents n'ont pas capable de cibler un bon série de nègres dans la police encore pour continuer à vous mourir comme ça. Ça veut dire qu'il y a des postes pour nous occuper là, dans la police là. Et faut que ce soit un bras politique qui d'ailleurs pour faire ça. Malo parole. Ça fait jusqu'à présent pour que j'aime changer de DO1. Parce que les policiers n'ont pas de travail avec lui encore. Est-ce qu'on peut imaginer, lors d'un directeur départemental, les policiers n'ont pas de travail avec lui? Ou est-ce qu'on peut nous arrêter? Parce que, oui, imaginez, et qui ça s'apprête à le bas, ici, et chaque côté, les policiers disent qu'ils ne peuvent pas servir à un directeur départemental ou bien ne peuvent pas servir avec un directeur et commissariat. Est-ce que c'est automatiquement pour ça que tu as fait pour vous aller? Mais, mal de Pierre Hunel, mal de parole. Là où c'est un papa, ou pas pour responsabilité, ou pas d'être pour papa encore. Là où on dit que c'est départemental, ou un commissariat, c'est sous compte du commissariat, oui, là où il y a des dérives qui vont dans le commissariat pour assumer responsabilité. Il faut payer les conséquences là. Parce que le directeur général de la police, ce n'est pas le premier monde qui doit être au courant d'un problème qui est dans une juridiction. C'est pour ça que le directeur départemental. Là, le dépasser le directeur départemental là, on a le cas fait appel avec responsable dans le pire niveau. Mais ou pas qu'à dire, on va répondre ça parce que Pétionville, ou pas qu'il y a une sanction de point, la police ne doit pas travailler avec le directeur départemental là. Finalement, c'est la police qui a payé pour casser, c'est la population qui a payé pour casser. Il faut qu'il y ait des changements qui opèrent. Ça qui passe dans la Tibonite là, vous pensez que la police ne peut pas travailler avec le directeur départemental là? Non. Ou voyez-le son guet, ou voyez-le en al faire avec les policiers. C'est une raison qui fait que nous demandons au directeur général de la police pour assumer responsabilité par rapport à ce qui a passé dans le pays, par rapport avec une zone qui est dans l'état-major de la police. Là. Et nous, ce qui a passé, demain, capitris par rapport à ce qui a annoncé pour gagner dans la police. Là. Le directeur général de la police a fait une conférence de presse. Premier ministre là, parler, il y a soit un CSPN qui prend, qui fait un ensemble de recommandations. Nous souhaitons que c'est des bagages qui portent résultat parce que jusqu'à présent, les policiers ont toujours capé, les policiers ont toujours debout. Ce n'est pas normal. Regardez, il y a 5-6 policiers qui mourent dans condition au fin de mourir, et puis toujours dire à nous-mêmes des rapports, qui ont des policiers, qui ont dit mais qui est-ce, qui n'a un bagage. Si c'est vrai, tout le monde qui l'a donné, nous devons prendre code. Nous ne pas seulement punir agents. Il faut gagner conseil des responsables dans la police là, qui impliquent non ces bagailles tout.
faut que punir tout. Moi qui parle nos paroles, mal dit nos bagarres là pour nous comprendre. Où est son agent qui fait un bagarre dans la police là? On se rapporte seulement, mettez-le dans l'isolement, oui. Elle fait un an, elle fait six mois dans l'isolement. Pas jamais rien dit pour lui, non? Et une autre équipe de là, agent ça, ou équipe agent là, qui est dans l'isolement d'elle matin droit, qui a 4 mois, qui a 6 mois, qui a qu'un échec, qui a pas jamais baillé. Tout ça n'est pas. Après, j'en dors. Nous mettons les gens dans l'isolement, ils sont sous contrôle encore, et puis nous avons un échec, les gens petits, les gens madame. Pendant ce temps, nous acquisons le don bagaille, nous pouvons même voir le devant juge, nous pouvons révoquer. Il y a 6 chèques, 6 chèques, nous avons un bill. De qui ça va vivre? Nous croyons que la bataille qu'a faite là, et ça fait que nous demandons des policiers, il faut qu'ils prennent plus de précautions par rapport à ce qui a passé là. Et nous avons des chefs qui commencent à acquiser nous, qui disent que nous sommes en complot pour nous tuer ceci, pour nous tuer cela. Et nous connaissons pertinemment ces mentis. Son façon que pour être capable de dérouter les policiers sous revendication. Yo. Nous demandons tout faire très prudent par rapport avec le conseil de nègres. Jean Johnny, ce dit-là, pas Jean Gagnon, que la majorité de qui dans la rue, c'est policiers qui sont vrai. Bon, pas qu'être capitalisé, mouvement policier pour faire capital politique, yo, pour déstabiliser le pays, pour déstabiliser la police. Nous connaissons que quand il y a un problème vrai au niveau PNH, il faut qu'il y ait des décisions rapides qui prennent. Un commissariat peigné, pas qu'à craser dans l'état de ce là pour les consacrer des opérations qui ont mené dans la zone. Et depuis jeudi, les policiers ont quitté le commissariat, qui disposition que tu prends pour t'empêcher qu'il y ait des choses. Et nous, même au niveau Sénapoa, bataille que nous avons fait, nous avons fait une bataille pour craser la police, nous avons fait une bataille pour renforcer la police, mais dans tout respect, il faut que responsabilité soit fixée. Par rapport à ce qui a passé là. En, comme si monsieur nous quittait cadavre, 6 policiers, yo, chien à manger, parce que c'est un bon service renseignement qui fiable comme ça, qui font rapport comme ça après 5 jours. Service renseignement, ça n'a pas qu'à dire qui côté que les policiers, il faut dire à nous entrer dans la logique, nous déstabiliser l'autre monde, nous acquiser l'autre monde, qui dit comme ça que et ces policiers qui n'ont complot, qui n'ont ceci cela, fuck. La justice tend des directeurs départementaux à toute équipe. Il faut qu'inspection générale tende. Si ce n'est pas une décision qui prend, et maintenant, la map d'ils sont en terrain du Caraïbe, si Napoa peut mettre pied à terre tout, parce qu'il faut que suspendre vos policiers pour comme ça. Napoa peut mettre pied à terre, ça veut dire qui ça? Parce que nous sommes habitués à. À ce que ça, les deux groupes disent qu'ils mettent pied à terre, nous, ça baille. Parce que, bonjour, nous-mêmes, nous avons changé ensemble de bagages qui passent dans la police. Les policiers qui ont changé ensemble de bagages qui passent dans la police. Mais attention, il faut nous faire en façon tout pour ne pas fragiliser l'institution, pour ne pas craser l'institution. Parce que, bon, pas qu'être négatif, mais l'institution est crasée. Il y a mis des pauvres figures en papier pour les policiers pour foncer des bagages que les policiers ne connaissent pas, j'en souhaitais faire, pour craser l'institution. Non, nous ne sommes pas là pour nous. Pour nous craser. Nous avons joué le matériel. Nous avons joué ensemble de bagailles sans que nous ne parlions à l'extrême. Parce que quand pile monde qui a investi en ensemble de bagailles pour entrer dans le mouvement policier, pour dire que les policiers boulent, pour dire que les policiers crasés, pour quand même accuser que les policiers ont volé à faire le monde. Parce que vous connaissez menti. Il faut que vous soyez prudent par rapport avec ça. Si nous avons son syndicat dans la police là, 12 mars passé dans le niveau le passé là, pas jamais de monde qui j'aime sanctionner, pas jamais de monde qui sanctionner, c'est comme si c'est policier qui peut être dans l'opération. Mais 4 policiers encore tombés, Pétionville, ou pour que j'aime dans les fêtes. Mais 6 policiers chapant les coyaux, dans l'Yankou, jusqu'à présent, ou pas dans les cafés, au lieu que vous mettez ensemble des corps policiers, c'est rapport qu'a fait. Pour pas qu'ils aient l'hasard, pour pas qu'ils aient tel, pour pas qu'ils aient tel qui est dans le complot, pour aider tel qui est dans le complot. Nous ne pouvons pas prendre ça.
ça, et parce que le pays a besoin qu'on ait ça qui passe dans la police, ça, étant donné que nous, c'est bataille, ça, y a une institution qui rend la situation venue dans le niveau lié, et je dis à là, et nous habituons tout à de enquête qui se poursuit à chaque fois où une situation comme ça, et puis une enquête qui a annoncé le pas jamais fait, vérité pas jamais et sorti. Est-ce que nous-mêmes, au niveau de syndicat, nous pas gagné, moi, et ça, pour nous mener propre enquête, nous, et tout au moins, nous t'avons venu là et pour dire, PIA, qui ça qui vrai dans le document rapport et service enseignement la Tibonica? Moi, c'est que, oui, mes bagages, sinon, pour en faire. Allô, Lazare? Oui, moi, là, oui. Moi, c'est que premier bagay que nous-mêmes n'avons fait au niveau Sinaboa, les notes, ça, rapport à Noël, équipe nous mettait sous pied pour nous chercher pour nous connaître que c'est vrai. Les arrivés, nous avons effectivement vrai rapport à sortir dans le service renseignement, direction départementale, police, la Tibonite. Là. Et nous avons continué le travail. Tout ça qui passe, hein? Et nous avons une chance tout pour nous parler avec une monde indexé dans le rapport ça. Nous t'es pas la veille, nous t'es expliqué nous raison qui fait que je dis à nous dans le rapport ça. Et pays a connu qui est-ce qui est lié. Parce que nous t'es pas la veille, nous pas jamais travaillé dans vos remontés. Nous t'es pas la veille parce que c'est négligé en coup. Yo akize le de sak passé a qui c'est Karl Henri Boucher que m'te gen chance parler ensemble avec elle pour te expliquer raison qui fait que le directeur départemental là Tibonite là parce que c'est moun li an coup li c'est moun li an coup d'événement a déroulé bon la caille et ben comme en tant qu'inspecteur général il était le directeur départemental là pour te mettre au courant de ça qui a passé. OK. Donc, je dis à la nous, c'est une bataille qui a fait dans le pire niveau la police, là, directeur départemental à pas commissaire, directeur départemental à pas inspecteur général, ceci, c'est là, bon, ici, bon, bon. Moi, je crois que, je dis à la, il est clair que, bataille pour nous mener pour nous, l'autre, la police, on sait des gens qui sont pas là-dedans encore. On sait des gens qui sont pas dans la police encore. On pas qu'être là, il faut que vous voyez à la retraite. Okay. Oui. Et sa déclaration là, là, m'a pas rendre service à